Après avoir assisté au sacre de Gabriella Papadaki et Guillaume Cizeron samedi, Jean Dujardin et Nathalie Péchala étaient de retour à la Sud de France Arena de Montpellier pour le gala de clôture des championnats du monde de patinage artistique 2022 qui s'est tenu le 27 mars. Une fois encore, le couple star était accompagné de sa fille aînée Jeanne, désormais âgée de 6 ans. Si esti depuis les genoux de son célèbre papa que la fillette a retrouvé Gabriella Papadaki et Guillaume Cizeron sur la glace, pour une ultime représentation, voire diaporama. Dans sa main, Jeanne tenait un ouvrage au titre pour le moins inspirant, Révèle tes super pouvoirs. Avec une championne du patinage pour maman et un acteur oscarisé pour papa, elle a peut-être hérité de plus d'un super pouvoir. Samedi déjà, la petite fille avait assisté à la victoire de Gabriella Papadaki et Guillaume Cizeron face à deux duos américains. En revanche, aucune trace de sa petite sœur Alice, probablement restée au calme à la maison, à seulement un an. Présidente de la Fédération Française des Sports de Glace, FFSG, depuis maintenant 2 ans, Nathalie Péchala avait fait le voyage en février jusqu'à Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver. Elle a cette fois-ci pu partager ce moment de joie en famille. L'ancienne patineuse de 38 ans pourrait bien transmettre sa passion de la glace à son aîné. En décembre dernier sur Instagram, elle avait partagé une courte vidéo de sa fille, déjà à l'aise sur des patins. Pour rappel, Jean Dujardin et Nathalie Péchala sont ensemble depuis 2014. En mai prochain, le couple fêtera ses 4 ans de mariage. Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision, je ne l'ai pas vue patiner mais parler, elle m'a charmé, racontait-il en 2016 dans le magazine Elle. En plus de Jeanne et Alice, l'acteur a également 2 grands garçons de 22 et 21 ans, Jules et Simon, nés d'une précédente relation avec la mystérieuse Gaëlle Demar, datant d'avant son union avec Alexandra Lamy, qui a partagé sa vie entre 2003 et 2013.